J'aimerais pas être dedans parce qu'il prend trop de G pour la carcasse, mais qu'est-ce qui fait ça bien? Allez, frère. Au-dessus. Merci. Thank you, dolls.
C'était The Manhattan Dolls. C'est la première année qu'elles viennent ici. Vous les retrouverez dans le hangar tout à l'heure. L'architecture légèrement différente des autres environnements, des autres delta. Ça, vous l'avez compris, je dirais, c'est la caractéristique de tous les avions. Garantir et rester dans un environnement assez il y a 100 ans, c'était le Newport identique à celui de Thierry Roussel a amené tout à l'heure après avoir effectué sa présence. Cet écran vert, c'est tout simplement le collimateur du binocle. Dessus, on projette un certain nombre d'informations, la vitesse, l'altitude. On lui indique aussi la position du champ de tir, la position des dispositifs, alors que Tao va maintenant réduire sa voiture. Il est aux environs là, de 180 km/h et il annonce effectivement il y a du vent. Il dit Tao, aujourd'hui on a du vent et c'est un peu plus difficile pour toi car tu dois venir ramener l'avion sur un axe précis et tenir la zone l'avion parce qu'on va tenir une montgolfière. Si vous avez du vent qui vous touche vers la gauche, par exemple, je vais passer de la gauche vers la droite. Donc, je vais vous dire comme c'est le cas aujourd'hui, on peut nous envoyer les 50 km/h.